Salut les mecs, j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo avant que celle-ci commence. Je suis désolé pour la qualité qu'il y a là, mais c'est juste vite fait 2 secondes parce que j'ai eu un problème de carte SD. Du coup, j'ai pas pu vous faire l'intro avec ma caméra d'habitude, mais la vidéo restera la GoPro parfaitement. Et d'ailleurs, si vous êtes chaud patate, je me prends la Hero 9 Black et pour vous faire des vidéos en 4K limite. Si vous êtes chaud patate pour voir de la 4K sur la chaîne, mettez-moi des gros pouces bleus. Bref, aujourd'hui, juste avant que la vidéo commence, j'ai juste besoin de vous pour savoir au niveau du piston. Vous allez voir dans la vidéo, je dis que la moto, elle a pas de compression tout simplement parce qu'on m'a dit qu'elle avait pas beaucoup de compression et c'est vrai que, bah, tu sais, on la démarre comme si on démarrait ma 50. Donc, est-ce qu'en changeant un pignon, on va encore s'envoler vers la lune? Parce que là, vous allez déjà voir dans la vidéo qu'elle marche plutôt pas mal. Voilà, je suis allé vous tourner la vidéo hier. Malheureusement, la GoPro, elle s'est coupée au bout du milieu de l'après-midi. Du coup, j'ai quand même des passages où je tartine. Mais il y en a où je tartine encore plus, qui n'ont pas été enregistrés malheureusement. Mais bon, ça, dans les prochaines vidéos, vous allez le voir. Il y a aussi ma première fois avec la moto, ma première sortie à la fin de la vidéo. Allez la voir parce que je vous jure, vous allez rigoler. Mon comportement, je mets des coups de gaz et... Et enfin, là, en fin d'après-midi, hier, quand j'ai roulé, j'ai découvert que quand on faisait vraiment plein gaz, mais quand je vous dis plein gaz, sur n'importe quel rapport, la moto lève. Alors qu'au début, je pensais qu'elle levait qu'en première. Tu te mets en deuxième, vraiment un gros plein gaz. J'osais pas mettre à fond la poignée, ça lève. Du coup, chaud patate, vos conseils en commentaire pour lever. Et surtout, pour le piston, est-ce qu'on change un piston? Le prix, normalement, c'est 100-120 balles, on m'a dit. Donc, est-ce que si je prends un piston, bam, je fais monter le piston, on fait une petite vidéo, un petit live piston, la moto après elle va rouler à l'envers carrément si c'est moi qui le monte le piston, vous inquiétez pas, je vais essayer de faire ça dans les règles de l'art, mais est-ce que juste en changeant un piston, on va gagner de la perf? C'était juste ça. Bonne vidéo à tous, on se retrouve sur Instagram et dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus si vous voulez mercredi une nouvelle vidéo en 85. C'était Léo, bonne vidéo les mecs, ciao. Salut les mecs, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui vous l'avez compris, on va faire le test. La 85, voilà. Elle est toute propre, je l'avais nettoyée pour la vidéo, j'ai pas pu rouler. Il fait un de ces froids de canard, bon là ça va. Les températures elles commencent légèrement à remonter. Donc on va pouvoir ressortir la bête. Là j'ai fait le plein parce que la dernière fois que je suis tombé en panne. Normalement ce sera une des prochaines vidéos, vous allez voir. Bref, aujourd'hui je vais essayer de vous montrer comment elle fonctionne, comment elle marche quoi. Oh là là, c'est un peu compliqué de parler. Je vais pas vous mentir, c'est très complexe de parler, il fait pas super chaud. Le terrain, si on peut appeler ça un terrain, c'est pas le top du top. Bref, on va essayer de faire quelque chose quand même avec ça. Parce que je vous l'avais dit que j'allais sortir cette vidéo. Je vais vite remettre les gants, je suis en train de me geler. Normalement j'ai des gants qui arrivent très prochainement, exprès pour le cross. Des gants hiver là parce qu'ils caillent de fou. Nouvelle vidéo avec la 85. Bon, il y a des promeneurs là-bas, du coup je vais aller là-bas en attendant qu'ils passent. Bref, vous allez voir un peu comment ça fonctionne. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, voilà. Et puis on s'en va directement. Donc elle est chaude. Donc là je peux taper dedans et vous montrer comment ça fonctionne. Ça tourne bien. Ça fait une semaine que j'ai pas roulé. Et ça va, ça tourne bien. J'ai pas à me plaindre. Regardez comment ça va, regardez. Pied sur le frein. Vous avez vu? Et heureusement que je freine, hein, ça lève direct, c'est incroyable. Oh. Ça marche plutôt bien. Faut vraiment que je reçoive un casque et des lunettes là parce que c'est un peu compliqué. Bon, il y a une dame avec son chien. On va éviter de la déranger. J'espère qu'elle appelle pas la police, la couze. Elle va me bouffer avec son kleps. Dites-moi les mecs, comment dans les commentaires on fait pour tourner? Genre on est là et ça fait un demi-tour. Là, elle a bien chauffé, regardez, ça part au quart. Bon, à ce qui paraît, il n'y a pas beaucoup de compression. Donc peut-être un piston à changer. Enfin, c'est même pas peut-être, c'est sûr.
Bon après faut savoir partir tu vois. Ça a rien à voir la 50 à ça. Oh regardez, il y a de la glace. On va faire le test. Oh non, j'ai mouillé. C'est décollage vers la lune. Oh le bordel. Je pense qu'avec un nouveau piston, elle fonctionnera du tonnerre. Bon alors ils vont où les gens là? J'ai pas envie de les déranger mais vas-y, me dérange un peu moi. On va passer devant eux au pire hein. On va attendre. On va faire des wheelings. Attendez, pied sur le frein. Comme ça. Voilà, ça se lève hein. Là tu vois j'apprends à freiner et tu vois comme ça et à freiner direct. Parce que vas-y, j'ai pas trop envie de me retourner mais vas-y, j'ai carrément envie d'apprendre hein. Ça doit être tellement bien, t'es là. Mon objectif c'est cet été savoir lever. Alors je sais pas si ça sera encore avec cette moto mais du moins ça sera de savoir lever. Putain mon cul il est parti mon ref. Ok, moi je peux aller là, il y a l'air d'avoir personne. Ah bah si. Ça m'a l'air d'être un 4x4. J'ai juste envie de voir si c'est la police ou pas. Ah de toute façon ils vont devoir arriver sur moi là. On va prendre un peu d'avance, on sait jamais. On va s'arrêter là au coin. J'ai pas envie de prendre le risque avec des... Ouais, la voiture elle est là-bas. On va voir ce qu'elle fait. Elle s'arrête. Je dis bien la voiture s'arrête. Merde. Que faire? Parce que moi mon chemin c'est... Elle me prend photo là, elle me prend photo. Faites une pause les mecs. Bon je sais pas hein. Oh, elle arrive. Elle peut passer là, la voiture. On va dire que je connais un peu le terrain ici et que je sais pas qui, mais ce que je sais c'est qu'ils vont devoir revenir en marche arrière, enfin ou du moins ils vont jamais être aussi rapides que moi là pour faire demi-tour. Et puis s'ils ont appelé la police bah on est dans la merde, écoutez hein. Je sais pas qui c'est. En plus ils sont au moins 3 ou 4.
bonjour. Oh le bordel. Oh, je suis arrivé. Je suis arrivé un peu fort là. Tu vois, le but c'est pas de faucher quelqu'un non plus. La terre est dure.